l'Éternel. Loup Blanc, nous vous attendions avec impatience. Nous sommes tous là. Bien. Je vous avais sous-estimé dans les marais, mais l'effet de surprise ne marche plus. Ce Siegfried de Denel vous suivrait en enfer. Le grand dessein est en marche. Si vous faites preuve de sagesse, vous assisterez peut-être à son accomplissement. Et si je ne veux pas être sage? Les sorceleurs sont des gens rustres et sentimentaux. Pour qui vous battez-vous? Foltest? Ce monarque dont la conscience est encombrée de plus de péchés que ne compte de mots le vocabulaire du professeur? Foltest a engrossé sa propre sœur et laissé sa progéniture dévorer les citoyens de la cité pendant des années. Pire, pendant la guerre, il a permis à Nilfgaard de piller et de brûler les royaumes voisins alliés. Et alors? Si ce n'est pas pour Foltest, pour qui? La loge des magiciennes? Vous savez ce que ces chiennes ont provoqué avec leurs exigences pour les traités de paix? Des transferts forcés de population, le problème épineux de la Scoetel, et j'en passe. Et vous en concluez brillamment? La salamandre n'a rien de mauvais. Pas plus que ceux qui ont l'ambition de forger eux-mêmes leur avenir. Si la salamandre n'est pas le mal incarné, qu'en est-il de Javed? Amoral, violeur, assassin, traître? Comment le qualifieriez-vous? L'avenir, le progrès, le destin. Je conchis cet avenir. Mieux vaut lutter contre un cauchemar, même sans espoir de vaincre. Vous vous souvenez du grimoire magique de la Tour des Marais? Voici quelques sortilèges qui en sont issus. Comment? Le bouclier d'Alzur? Professeur, occupez-vous de lui, je n'ai pas... J'avais à montrer ses limites dans les marais. Il aurait pu m'éliminer avant de s'enfuir avec le livre de sortilège. Il a manqué sa chance. Le bouclier d'Alzur a bien rempli son office. J'avais des parties, abandonnant le professeur. La prochaine fois, il ne m'échappera pas. Geralt, tout va bien? Que s'est-il passé? Vous avez été salement touché. La magicienne a dû vous lancer un sortilège de protection. Le bouclier d'Alzur. Le professeur s'est enfui, et cette barrière bloque le passage. Je le retrouverai. Votre misérable et stérile existence va bientôt prendre fin. Vous mourrez en réalisant que vous êtes une aberration. Foutaise, professeur. Pourquoi voulez-vous tant empêcher la création de nouveaux sorceleurs? La réponse est simple. Vous-même ne trouvez aucune justification à votre présence en ce monde. Vous devez votre existence à la conjonction des sphères. Mais vos créateurs ont failli. Vous savez comment? Éclairez-moi. Ils n'ont pas su vous débarrasser de vos émotions.
Vous étiez conçu pour tuer des monstres sans jugement moral ou philosophique, sans doute. Vous êtes inefficace. Eh bien, cette abomination inefficace est rongée par le doute et sur le point de vous tuer. En piste. Je la fais entrer. Reprenez donc votre inestimable trésor des sorceleurs. Vous avez tout pris. Ayez pitié. On peut demander. Vous savez esquiver les flèches. Essayez de les faire tomber pour bloquer le passage. Je devrais étriper la Kikimore. Si le professeur avait des informations utiles, c'est ici. Thank you.
J'aurais dû prévoir que vous découvririez l'auteur des faux sceaux royaux. Quelle erreur de vous prendre pour un simple tueur de monstres. On dit souvent que je gagne à être connu. Êtes-vous sûr d'avoir absolument tout compris? Je savais que vous vouliez faire un coup d'État en l'absence de votre père. Et je sais que vous vous êtes allié à la salamandre. Mes plans restent les mêmes. Par mes pouvoirs, je vous condamne à être exécuté sur le champ. Excellence, Ada. Pardon, Gérald. La raison d'État doit primer. Dans ce cas, le condamné a le droit à un dernier souhait. Un dernier baiser. Un souhait révoltant. Mais la tradition sera respectée. Qu'il en soit ainsi. Dans tes rêves, sorceleur. On l'a téléporté. Vengeance.